service après-vente des libéraux. Service après-vente des libéraux, bonjour. Oui, bonjour. On m'a toujours dit qu'il fallait investir dans la pierre pour assurer ses vieux jours. Alors voilà, je viens d'acheter cette bicoque pour y faire mon cabinet. Je suis pas sûr d'avoir fait vraiment le bon choix. Ah, en effet, je pense qu'il faudrait qu'on aille faire un petit point ensemble pour vérifier que ce soit vraiment le bon choix. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse faire un bilan ensemble et qu'on analyse réellement les bonnes solutions à prendre. Service après-vente des libéraux. Service après-vente des libéraux. Service après-vente des libéraux, bonjour. Oui, bonjour, je suis infirmière, je viens de démissionner de mon poste en clinique et je souhaiterais m'installer en libéral et je souhaiterais créer mon cabinet. Et voilà, je me demandais comment on pourrait m'accompagner là-dedans parce que je sais faire mon métier, mais celui-ci, je ne sais pas le faire. Hein. Vous pouvez m'aider ? Oui, bien sûr, nous pouvons vous accompagner. Donc, dans un premier temps, ce que nous pouvons faire, c'est nous rencontrer, faire un audit de ce que vous souhaitez, ce que vous voulez mettre en place. Et ensuite, nous allons vous proposer des outils, soit par de la formation, soit par du conseil et de la mise en place pour pouvoir créer votre propre cabinet. Donc là, dans un premier temps, je vous propose de nous rencontrer pour faire un audit. Et puis ensuite, je vous ferai une proposition d'accompagnement. Service après-vente des libéraux. Service après-vente des libéraux. SAV des libéraux, bonjour. Oui, bonjour, Kevin, kinésithérapeute. Je vous appelle, je suis sur mes premières années d'activité et j'ai aucune idée d'où j'en suis au niveau de mes chiffres. Est-ce que j'ai trop facturé, pas assez facturé? Est-ce que je vais avoir des régules URSSAF? Tout un tas de questions que je me pose sur mes premières activités. Voilà, je suis dans le doute. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Oui, Kevin, d'abord, sois tranquille. Aujourd'hui, en fait, il existe plusieurs applications mobiles qui sont sur le marché, qui te permettent en fait de savoir où tu es, où tu en es de ta comptabilité, et quasiment en temps réel, et pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. Ce que je peux te proposer, c'est qu'on définisse ensemble le rendez-vous et que je te les présente. Service après-vente des libéraux. Service après-vente des libéraux. Cabinet médical, bonjour. Comment puis-je vous aider? Hi, I'm tired and I'm cold. I'm not feeling well. Can you help me? Okay. Maybe you have a room. A room. What? Room. Ok, bye. Allô? Allô? Service après-vente des libéraux. Service après-vente des libéraux. Service après-vente des libéraux, bonjour. Oui, bonjour. Bah, je suis en plein soin, désolé. Juste, j'avais une petite question, s'il vous plaît, au niveau de la communication. Vous savez que nous, nos professions, je suis infirmier libéral, elles sont un petit peu réglementées, à savoir, attendez, parce que je dois faire aussi le dextro du monsieur. Attends, ça va piquer, hein? Voilà. Super. Température. Super. Oui, donc comme je disais, notre profession, elles sont réglementées. Comment je peux faire de la communication, du coup? Ça va? Vous êtes sûr que je vous dérange pas? En tout cas, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous, parce que certes, votre profession, vos professions sont réglementées, mais on peut trouver des solutions, et notamment dans le digital, dans la communication digitale. Donc n'hésitez pas, et on va prendre rendez-vous, je pense que c'est le mieux. Service après-vente des libéraux.